Ziad est un adolescent de 16 ans parmi tant d'autres. Il est actif, sportif et scolarisé. Il passe son temps libre à faire du foot, voir ses amis, sortir et se rendre à la maison de jeunes de sa commune. Il est dans une recherche différente maintenant. Il s'intéresse à la vie active et se soucie de sa vie future. Le souci de Riyad aujourd'hui est de savoir comment s'y prendre, qui aller voir, se renseigner et avancer dans une démarche responsable et concrète. Et toi Riyad, ça a pas l'air d'aller. Je m'ennuie, j'aimerais bien me faire un peu d'argent. Il faudrait que tu te trouves un boulot, Riyad. Ah bon? Tu sais que tu peux bosser les week-ends et pendant les vacances. Ça s'appelle un job étudiant. Je savais même pas. C'est cool ça. Ouais. T'as des domaines dans lesquels t'es intéressé de travailler? Ouais, j'aimerais bien la vente. Y'a que la vente qui t'intéresse? Non, aussi m'occuper des petits. Dans ce cas-là, pour la vente, ce que tu pourrais déjà faire, c'est aller te présenter dans les magasins de la région, voir s'ils cherchent pas quelqu'un pour les week-ends ou pour les vacances. Bah ça va, je vais faire ça dès demain matin. Fais un listing des magasins dans la région existants et puis tu te présentes à chaque magasin. Bah ça va, je vais le faire. Ah, merci. Tu fais ça demain alors, hein? Ouais, pas de problème. Sur les bons conseils de Nico, l'animateur à la maison de jeunes, Riyad décide de rencontrer les employeurs potentiels. Force est de constater que la demande est forte et que peu de places sont disponibles. Il décide donc de retourner à la maison de jeunes en s'interrogeant sur les raisons de son échec. Alors Riyad, comment ça s'est passé? J'ai essayé, mais soit ils cherchent pas d'étudiants, soit ils en ont déjà. T'as laissé ton CV quand même? Ah non, j'en ai pas. J'y ai pas pensé. T'as déjà entendu parler de l'action job étudiant? J'ai entendu parler, mais je vois pas trop ce que c'est. En fait, c'est une journée qui est faite pour aider les étudiants à trouver du boulot soit le week-end ou soit pendant les vacances. Il y a plein d'ateliers qui sont créés en rapport avec le monde du travail. Franchement, tu devrais y aller. Bah ça va, je vais y aller. Merci. Pas de soucis. Salut. Si tu te retrouves dans les démarches de Riyad, mets toutes les chances de ton côté. Et rejoins-nous le lundi 16 février au domaine du Clémaret à la salle de la Harpaille à Aubange. De 13h à 17h, tu pourras réaliser ton propre CV, participer à une simulation d'entretien d'embauche et recevoir toutes les infos sur la législation concernant les jobs d'étudiants. Tu peux retrouver toutes ces informations sur le site internet www.actionjob.be.